Salut les amis, c'est le Baron Kagerou qui est de retour pour vous proposer cette fois encore une ouverture de carte Dragon Ball Super avec le spécial pack de la deuxième série qui vient juste de sortir. Donc la série s'intitule Union Force. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une série qui va être basée sur l'arc de Goku Black, hein. Donc je vais tout de suite ouvrir le petit paquet qui est sous blister. Je vais le faire en vidéo. Attendez, je vais juste ouvrir. Tac. Oui, je sais. Je vous laisse profiter de mon magnifique. Hop. Alors attendez. C'est compliqué à ouvrir, hein. Oh là là, tac, voilà, c'est ouvert. Bon bah oui. Donc, voici la bête. Attendez, je vais juste dézoomer un petit peu. Voilà, là, doucement, doucement, on dézoome, on dézoome, on dézoome, on dézoome, on dézoome, là, on zoome, là. Donc, voici le bébé, hein. Hop, donc le devant, oh, les côtés, simple, hein. Hop. Le derrière qui explique que la série 2 sera composée de 60 communes, 38 peu communes, 18 rares, 14 super rares, une rare secrète et 4 rares spéciales. Donc, ouais, par rapport à la première série, nous avons une secrète de plus. Dans la première série, il n'y avait pas de carte secrète. Donc, je vais ouvrir le petit paquet doucement. Voilà, oh, j'ai réussi à l'ouvrir propre. Nickel. Et on va sortir les boosters. Et ainsi que la carte promo. Hop, il en reste un. Il en reste un. Ah non, c'est le manuel de jeu. Donc comme pour le premier pack spécial, hein, nous avons le manuel de jeu hein, qui explique les règles un peu du jeu de cartes Dragon Ball. Nous avons la carte spéciale. Donc Zamasu fusionné le rayon sublime. Sérieux, mais pour les noms, les mecs, ils craquent, mais complet, hein. Voilà le dos des cartes, hein, comme d'habitude, avec les 7 Dragon Ball. Alors, est-ce que c'est les Dragon Ball ou les Super Ball? Enfin, ou les Super Dragon Ball, je veux dire, ça, voilà. Et les boosters avec, comme pour le pack précédent, les 4 illustrations. Après, c'est ça que j'apprécie avec cette série. Ce que j'apprécie énormément avec cette série, c'est que, avec ces packs spéciaux, justement, c'est qu'à chaque fois, nous avons un booster de chaque illustration. Donc là, comme vous pouvez voir, nous avons Super Végéto, Super Saiyan, Super Saiyan 2, Trunk Super Saiyan 2, je dirais. Il est énervé, hein. Oula, il est vénère. Cell. Et oui, contrairement à la première série, je pense qu'il va y avoir des cartes consacrées à Dragon Ball Z aussi. Sur la première série, c'était des cartes de l'arc Freezer. Là, a priori, ce sera l'arc Cell. Et donc, nous avons Zamasu fusionné. Il est vert, il doit être malade. Il a fusionné avec Hulk. Bref. Donc, j'espère que je vais avoir autant de chance que lors de, ma première ouverture où j'avais eu attendez, que je dise pas de bêtises. Que je dise pas de bêtises. Où j'avais eu 2 super rares. Et une. Une rare. Je sais plus. Mais j'avais eu des belles cartes. Donc alors, je vais commencer par. Allez. On va commencer par Super Végéto. Donc, comme la dernière fois, j'ouvre le booster. J'adore ces boosters. Ils s'ouvrent super facilement, nous pouvons les garder nickel propre. Et allez, c'est parti. Alors, Dabra, le bras droit du sorcier. Apparemment, nous aurons aussi des cartes consacrées à l'arc Bou. Sympa. Son Gohan, Super Saiyan, entraîné à bloc. Trunk, espoir du futur. Ah, j'adore ces cartes éveil, quoi. Avec le Trunk normal et le Trunk super guerrier. J'adore ça. Time Machine de Trunk. C16, le marteau de la justice.
Son Goten, saut vers le futur. Bouton de Zen-O. Ah, le petit bouton qu'il donne à Son Goku pour qu'il puisse l'appeler. Absorption de sel, avec C16 et C17. C17 et C18, pardon, excusez-moi. Yajirobe sans peur. Ouais. Alors pour ceux qui connaissent, Yajirobe, c'est toujours le mec qui va se planquer. Trunks Super. Oh, j'ai vu un truc. Trunks Super Saiyan aura de colère. Trunks résolu. Et notre première spéciale rare. Bou absorption terrifique, qui est magnifique. Comme les premières, elle a. Ah, attendez. Ah oui. C'est qu'elle a deux brillances différentes. Elle a une brillance sur le fond de la carte et une autre brillance composée de petits points. Alors là, on voit mal. Ah si, regardez. Regardez, je vous fais voir un petit peu. La brillance, voilà. Donc les deux brillances. Eh bah écoutez, ça commence super bien. Ensuite, je vais ouvrir le pack, le booster, bah sel. Hein. Je vais ouvrir le booster sel. Alors comme je vous avais dit, vous voyez, il y a un peu de l'amélioration par rapport à ma précédente vidéo, où là on peut mieux voir justement les cartes. Alors, C16, énergie annihilante. Babidi, initiateur du mal. Oh, encore une carte éveil. Babidi, 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 hop. Freezer, invasion destructrice. Videl, partenaire de Gohan. C19, la peur rampante. La peur rampante? Ouais, ça me rappelle une carte de Broly de la première série où c'est pareil, c'est Broly, la peur rampante. Eh mais les mecs, sérieux. Robot guerrier, pilier défensif? Eh, c'est quel arc, ça? Métal couleur? Ah, putain, mais il y a même des... Ah, il y a même des cartes consacrées aux OAV. Ah, mais c'est cool, en fait. Piccolo, prêt à l'assaut. Mai, au service de l'espoir. Super Ghost Kamikaze attaque. Ah, cette attaque, elle est exceptionnelle, quoi. Elle est vraiment super géniale. C'est du n'importe quoi. En fait, il y a Gotrunk qui souffle... En fait, il souffle des fantômes et c'est des fantômes qui explosent dès qu'ils rentrent en contact. Donc ça donne des scènes un peu improbables où les fantômes se cognent l'un contre l'autre et explosent. Enfin, c'est n'importe quoi. C20, le créateur pernicieux. Trunks, saut vers le futur. Et Cell Form Ultime. Cell Form Ultime. Donc c'est une rare. C'est une rare brillante. Sympa. Après, je me demande si toutes les rares sont brillantes ou si il y a des rares non brillantes. Ça, je peux pas vous dire. Donc, me voici de retour. Je suis désolé, j'ai eu un petit souci. J'ai eu un petit bug de batterie avec mon appareil photo. Hein. Parce que oui, je filme avec un appareil photo. C'est ça quand on n'a pas trop de matos. Mais bon, ça changera, ça changera. Donc, je vais continuer avec le troisième booster. Donc... Trunks Super Saiyan Vénère. Allez, c'est parti. Excusez-moi, je l'ai ouvert hors caméra, je suis désolé. Alors, Bou, le réveil du mal. Zeno, le dieu simple. Ou simplé, au choix. Noyau de Metal Cooler. Goku Black, guerrier des dieux. Son Goku, esprit curieux. Neizu, membre du couleur Toku Sentai. Sentai Son Gohan, héritage surpuissant. Ah! Une double! C'est une blague! J'ai une double! Sur 4 boosters, j'ai une double! J'hallucine! Bouton de Zen-O. Bon, bah, je la mets de côté. Vegeta, Super Saiyan de double salve. Ah! Oh, encore une double! Ah! Oh, encore une double! Oh, la classe! Et elle est superbe! Putain, c'est une rare, mais regardez-moi cette illustration! Vache, sérieusement quoi. Noyau de métal couleur centre du mal. Oh, oh là 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 là, mais elle est vraiment magnifique cette carte. Hein. Franchement. Ah ouais, non mais rien à dire. Alors là j'apprécie. Hein. Et je vais donc terminer avec le dernier booster. Zamasu fusionné. Tac. Hop, allez c'est parti. Attaque totale de Son Goku, couleur commandant des troupes, avec la forme simple de couleur.
Les Potaras, secret des Kaioshin. Whis, le garde sacré. Trunk, saut vers le futur, qu'on a déjà. C-17, le frère jumeau. Ed de Piccolo. Big Get a Star. C-16, le marteau de la justice. Mais on a énormément de doubles hein, sur ce pack spécial, excusez-moi, j'en bafouille. Sphère debout. Mai, le pouvoir de l'amour. Et... ah, c'est juste une rare, c'est pas une super rare, ni une secrète rare. Bah, c'est pas grave. Frappe cruelle de Freezer. Voilà. Je suis un peu dégoûté. La dernière fois, j'avais eu deux super rares. Et là, bah, on en a qu'une. C'est dommage, c'est un peu dommage. Mais bon. Et voilà. Donc, on va se laisser aujourd'hui avec les 4 illustrations des boosters. Voilà, donc pour ceux qui apprécient, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos consacrées à de l'ouverture de booster ou de deck Dragon Ball Super. C'est prévu, je sais qu'entre deux vidéos ça a été un petit peu long, mais bon, vous inquiétez pas, il y a d'autres ouvertures prévues. Pour le futur de la chaîne, donc je vais continuer et terminer les reviews consacrées aux ordres du film Power Ranger. Soyez patients, il n'en reste plus que deux les amis. Allez! Il ne reste plus que le ptérodactyle et le T-Rex. Ça va aller vite. Je vais faire une petite ouverture spéciale qui sera dans ma rubrique Le fourre-tout de Kagiru. Je vais vous donner un petit spoil. Enfin, un petit spoil. Je vais faire une petite ouverture spéciale. Je vous fais juste voir un petit truc. Je vous fais voir que ceci, que ça, hop là. Et donc je vais finir en vous représentant les cartes spéciales que l'on a eues lors de cette ouverture. Donc, frappe cruelle de Freezer. Noyau de Metal Cooler, centre du mal. Alors pour moi, c'est la plus belle que j'ai eue lors de cette ouverture. C'est une carte leader. Pour moi, celle-là, c'est la plus belle de celles que j'ai eues. En deuxième position, je mettrai Cellform Ultime. En troisième position, Bou Absorption Terrifique, parce que bon, j'aime bien l'effet de brillance, l'effet spécial qu'il y a sur cette carte, mais après, le dessin, c'est pour moi, il n'est pas super top, quoi, c'est pas... Voilà, et je terminerai avec la carte promo spéciale fournie avec le pack, Zamasu Fusionné, le rayon sublime. Donc comme d'habitude, les copains, les potes, les sujets, enfin ce que vous voulez, n'hésitez pas à mettre des pouces levés s'il vous plaît, ça fait plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser des petits commentaires. Si vous avez regardé et ce que vous avez et ce que vous voyez vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Faites-moi de la pub. Comme je vous l'ai toujours dit, le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et salut! Attention, la main, au revoir! You can see me.